Bien-aimé, shalom, na komona esumasia, nzamba mona bino, bino matumo kisalama wanda biso, na kanal PLF TV, iskali tozo partaje, yuma na nzambe, nkola ba disciple, bala nina esumasia, tika te nzamba mona bino, ya moto, banda, ma lakina biso, nene disciple, na wengu kola na nzera na nzambe, tokamini suna biso, pwete tobo di na nzambe. Kolo, merci, ton tiki mwoma oyo, na maboko na yo nzambe wa lokola biso lokola bachouma baperdan lokola bamodi lokola bato batonda na malédiction mpo obeli biso na sainteté obeli biso tozala badisciple na yo tika te moma esi na maboko na yo ozala nzambe mpona tika na biso yongofola bamatoi tika te o nzotukokolobawa epeso lokumu baobalanda biso apre kolo matea oyo ezalaka moko yokokangola bango mpe opesa bango makasi ya kozala badisciple na nkombo na yesu masiya. Encore une fois, shalom, shalom bien-aimé, shalom bino balandi na yesu masiya, shalom bino batomoba ete yesu azala mokonzi na bino, shalom bino batomoba ete toza tobotami ya sika, tosala repentance, tobaloli misu na biso epai na yesu, nzambe amona bino. Grand teme na biso tozopartage na bino ezali demeure en Christ, komela kati na yesu masiya, to kokangama na yesu, kozala na ye, kondima ye, kotambola na ye. Yango nde ezali grand teme na biso. Totali verse na biso akokona lelo na Jean chapitre 15 verset yango 5 kino na 7 tokotambola boye: si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. O ezali secret o yesu azokoyebisa badisciple: soki bokangami na ngai, soki botikali na baprincipe na nga, soki bolali malombonga nazobisa bino nyonso, bino kokosenga ekopesamela bino. Donc secret ezali wana, likambo ya liboso ezala kokangamana na yesu masiya. Moto andimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, andimi ete ngai natikali kretien, ngai natikali disciple, ngai nakoaprendre oyo krist alobi, esengeli ya liboso akangama na krist. Kokangama na krist ezala lokola yango alobaki, alobi: je suis le sept et vous vous êtes le vigneron, celui qui est attaché à moi il portera beaucoup de fruits. Sadi biso baetape tokozala isole te na yesu masiya, sengeli tozala na nzoto ya yesu mpo yesu ye nde nzete ya monene oyo ekopermetre biso atanke bakretien, biso atanke bana nzambe, biso atanke badisciple tokangama na yesu afin ke tozala baoyo yesu apesi loboko mpo tobota mbuma, mpo tozwa oyo esengeli biso tozwa na vie na biso. Bato ebele balobaka antuka nalandi yesu me nazomona eloko nga nazozwa te, nalandi yesu nazomona benefisi te. Est-ce que réellement moto oyo alandi yesu okangami na yesu masiya? Mpo soki okangami na yesu akontinue alobi: si mes paroles demeurent en vous, demandez. Mpo senga ifo liloba na nzambe evanda esalana misisa, okomprendre ete na change etape, okomprendre ete moto wana azolanda na kosala te, moto wana azolanda na prometa vie eternele, moto wana azolanda azali le roi de roi, moto wana azolanda ba impossibilité makambo nyonso esalaka ete mutu akoma na nivo ya impossibilité moto oyo azolanda apesaka yango. Nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa, nzambe monene oyo abongi na nyonso, oyo abongi na masanzoli, ayebi biso malamu kolela biso moko. Voilà pourquoi azosenga biso to demeure katikati na liloba na ye. Tous les secrets de la prière bien-aimés ezali ko se trouver dans cette parabole du Seigneur Jésus-Christ na Jean 15. Secret ya réussite ya prière ezali toujours na kati ya Jean 15 oyo. Ngai nabenga yango donner le conseil ya yesu masiya mpona badisciple na ye, apesa bango batechnike ya sika, batechnike ya suka oyo ndenge bakoki kowumela parce que azozala suna bango te, mais alingi ete bazala attaché epai na ye. Donc ya un moyen oyo biso esengeli todemande mpe toobtenir. Pour demander, n'a soit pas la demande de l'azela la mon amonte, mais demander pour obtenir ou le coup nous en avons besoin. Ce qu'on demande de ou obtenir exactement ce que l'on demande et tout ce que l'on demande, c'est lui ou y est ma tactique ou an. N'a soit ou y en y en son an son sénat, mais exactement ou an a lingi na kat na bon mon an. Donc voilà pourquoi Christ a proposé ces deux conditions.
oyo ezo permettre mutu akota na prière efficace et puis nous donner en haut une prière puissante. C'est deux conditions et les besoins de deux mêmes cardinaux, kangamanaye. Quel que soit le mouvement, quel que soit le problème, quelle que soit les situations, quelle que soit ma ordonnance et la famille, Seigneur, je veux sortir dans cette famille. Où est la famille à sorcellerie, où est la famille à malédiction, où est la famille et à la complication. Mais il faut toujours demeurer en lui. Donc maintenant, est-ce que tu demeures en lui? Tu demeures en lui? Est-ce que tu es en lui? Tu es en lui, on a. Tu es en lui, on a. Est-ce que vous êtes attaché à Jésus-Christ? Voilà le deux secrets. Pour nous être attaché, pour nous demeurer dans sa parole. Vous demeurez dans sa parole, vous allez vous respecter par principe où il y a tiqué. Alors, le bien et le mal choisi. Alors, lui, je suis le chemin. Alors, lui, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, mais moi, je suis venu donner la vie. Donc, bien aimé, la première condition de nos vies, c'est demeurer en Christ. Qu'est-ce que c'est demeurer en Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Bien, nous allons voir du saut. Par définition, demeurer en Christ, c'est vivre ou persévérer en lui. C'est-à-dire, il faudra vivre. Pour qu'on demeure, c'est là aussi demande la persévérance, bien-aimé. Il faut la persévérer. Il y aura des gens qui vont raconter des histoires différentes. Il y aura des situations qui peuvent changer au Nimanangai. Mais il faut persévérer. Parce que vous avez le mot où vous allez comprendre. Et lorsque c'est de l'eau, qu'est-ce que c'est de demeurer en vie? C'est sceller sa relation permanente avec lui. Jean chapitre 10, verset 28 à 29. Sceller cette relation, ils ont permis de bisous en communion parfaite dans Christ. Ils ont permis de bisous en Christ. Le rôle bateau à s'amener ensemble. Nous sommes dans le meilleur et le pire. Mais au moment où nous sommes séparés. Ce n'est pas le mariage des hommes, mais c'est le mariage entre l'homme et Dieu. Donc, demeurer en Christ et dans la persévérer ou connaître Christ. Tant que nous avons persévéré, Christ, bien aimé, ils ont une relation intime. Jean chapitre 14, verset 4 à 7, ou escadre de Rotam, c'est une intimité au yo, aux alamango, na Christ. Ils ont une raison, ce qui est intimité au an, ils ont ma case, et raison, ils ont une raison au bout de la moua et belé. Babouma, oui, pour permettre yo, au cola, et si kamoko, na batbazo, on a dit, non, cet homme-là, vraiment, depuis qu'il a accepté Jésus-Christ, il n'est pas le même. Il a changé. Et ça, Batbaya a défiguré, débattu, Batbaya a déprimé le Katnazar ensemble. Batbaya a méconnaissable, nous avons reconnaître le haut. Mais Nazar ensemble, Christ a moussa la batte. Nazar ensemble, Christ a changé la batte. Nazar ensemble, il tout la balaka. Il faut porter des fruits. Mais pour porter des fruits, il faut démêler. Il faut connaître Christ. Il faut vivre, sceller ton relation, ta relation naïe. C'est-à-dire vivre l'intimité avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il veut encore comparer bien-aimé une vigne à ses disciples et de sa main. Comment on va être dans la caméra dans Zambé? Tout le monde et c'est là attaché. C'est cet attachement-là. Nous avons comparé vigne dans ma sa main. Alors, moi, je suis le vigne. Vous êtes le vigneron. Donc, essayez toujours cet attachement à la permanence pour qu'une branche vive. Au départ, il y a toujours à l'attacher. Bien-aimé, demeurer en Christ, c'est autrement dit, renoncer à tout ce qui nous dit indépendant, qui nous soit propre. Cela veut dire quoi? Tu as des décisions, tu as des lois, où est-ce que la carte n'aille? Tu as des perceptions de vie, mais quand tu deviens, au lieu de te faire, tu n'as pas de Jésus. Bien-aimé, il faut s'attacher à l'attacher.
la philosophie, ce que vous avez découvert, il faut que nous préjugés. Par rapport à la façon de faire, par rapport à la loi établie, mais tu vis contrairement. Contrairement, c'est-à-dire quoi? C'est faire la volonté de ton maître. Et la volonté de ton maître, c'est d'accepter ce que sa parole dit. Or, il y a un peu de choses à accepter. Il y a un peu de choses à faire. Il y a un peu de choses. Pour accepter le manazamete. Si on limite le manazamete, on va vivre dans la vie dans le passé. Voilà pourquoi la Bible, dans Jean chapitre, dans Décorosé chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il y devient. Tu ne peux pas devenir nouvelle créature si tu ne demeures pas en Christ. Si tu n'es pas dedans dans cette affaire, moi, je suis une nouvelle créature. Et on s'en a très bien. C'est bien aimé. C'est-à-dire, il faut enlever l'indépendance propre pour se passer sur la vie. Maintenant, ma parole ne peut changer. Et on va, si Dieu le veut, je vais le faire. Si Dieu veut, je vais arriver. Si Dieu veut, n'a aucune place telle. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, au demeurer en Christ, ils ont une réussite. C'est une façon de porter des fruits pour qu'on permette de Dieu. Ou essayer de penser propres, de formes, de résolutions qui vont permettre de cultiver une autre culture. Ou une autre culture, il y a Yesu Masia. Quand on a un sentiment, Mais maintenant, tu vois, regarder le Seigneur. Regarder Christ. Qu'est-ce que Christ veut? Et nous, on a un sens, est-ce que Christ a un sentiment? Et le monde a un autre est-ce que ça peut honorer mon maître? Le maître, il va honorer toujours celui qui l'a envoyé son père. Honorer notre maître Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi demeurer en Christ de nos vies, bien aimé, c'est vivre autrement. Maintenant, on vit le calaboué, même ma façon de parler doit changer. Demeurer en Christ, encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est de renoncer à toute vie indépendante. À toute vie indépendante. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Ils allaient vivre au Yakala, aux Alamoyakinouba, vie associée aux Alakanango, vie à Mouyibi aux Alakanango. Vie à ma bébé, c'est plus à la zame. Tu dois renoncer à cette vie. Tu dois renoncer à un certain comportement. Tu dois renoncer à une certaine valeur dans la vie. Tu dois renoncer à une certaine. Baba Kambo, au Congo, ton tata, ma tigre. Tu dois maintenant qu'il devait être la famille dans le côté de la côté. Nous, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quand tu te renonces des choses où ils ont tamoussa, des choses où ils allient. Tu commences à demeurer à Christ. Et quand tu le renonces, c'est alors que tu vas vivre les fruits. Les fruits, au bas de la branche, M. 60, M. 100, M. 40. Et volonté à Yesu Masia, les amis sont portés beaucoup de fruits dans nos vies. Voilà pourquoi il faut renoncer à toute vie indépendante. Christ s'attendre à lui constamment pour qu'il nous infuse sa vie et la manifester à travers nous. Ça veut dire quand je renonce, j'attends maintenant Christ pour que Christ appelle ça où il est pareil. Je dois renoncer la mienne pour prendre ce qui est en Christ. Et ça devient tellement important à la mesure où nous le faisons, nos prières, obtiendrons ce que nous entendons de Dieu. Si nous le faisons bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre ce que Dieu veut de nous. Voilà pourquoi il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez, vous voulez satisfaire vos besoins et non la volonté de Dieu. Et la carte de volonté de Dieu, il faut se renoncer dans la vie de nos alliés indépendants. Et vous avez un désir, il faut renoncer dans le désir
Et quand vous allez faire un peu de temps, vous allez mais tout à la désir, il y a Christ, quand il y a un bisou, il y a un prière, il y a un bisou, vous allez en réalité, vous allez permettre une prière, bébé, et vous allez une prière exaucant. Prière pour moi exaucant, et c'est que vous allez faire un peu de temps, de telles prières, tant qu'on a renoncé à la loi, de telles prières seront toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Et le Père exaucera toujours son Fils. Pour que son Père, notre Père, exauce la prière, il faut exaucer toujours la volonté de Jésus-Christ. La volonté de la Zambe. La volonté de la bisauté de l'aimé. Pour que nous changions la volonté de la bisauté et qu'on permette la bisauté de évoluer par l'âme. Quant à nos prières, elles ont échoué, bien-aimés, c'est parce qu'elles sont effectivement nos prières. Nous avons conçu les désirs établis. La demande pour nous-mêmes au lieu de nous attacher à Christ afin qu'il prie pour nous. Pourquoi nous échouons dans le Seigneur? Parce que ma prière, c'est toujours seulement la volonté de la maison. On est tous sans la volonté à Christ. Donc, implorer Christ à la volonté de la maison. Moi, j'ai toujours dit ceci. Il y a des prières, tu le demandes, tu veux que la réponse soit rapide. Mais pour l'ensemble, la réponse n'est pas rapide. Pour l'ensemble, on a plus un moment où peut-être on va. Il faut savoir supporter, patienter et attendre la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut demeurer en Christ bien-aimé pour que toutes nos prières s'alignent. Christ à entendre, paix après sa mission, solution. Donc, pour ça, la prière quand tu es bien-aimé, vous allez venir simplement dire que nous devons prier par l'Esprit. Et c'est important. Qu'on prie, non, laisse aussi l'Esprit te guider. Pour que permettre yo, dans l'esprit, qu'est-ce que tu pries au Seigneur? Quand nous demeurons ici, bien-aimés, en Christ, sauter le tour de l'Ouka, quatre volontés ensemble, dans l'esprit, dans la pensée de la mission, et vous allez avoir notre propre pensée, mais ça sera le pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, fruit au Oya, et vous allez avoir notre propre fruit. Mais vous avez le fruit de Jésus-Christ. Il y a un autre bien exactement. Tout le monde a dit tout est en train de taper ma lame à Bogota. Faire du tout, à Bogota, fruit à du tout. Parce que nous sommes attachés à lui, bien-aimé. Pour demeurer en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il faut évidemment être déjà en Christ. Il y a des choses qui arrivent aux gens, ils n'arrivent pas à comprendre des fois. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Parce qu'ils veulent demander, mais ils n'est pas attaché à Christ. Ils veulent demander, mais ils ne connaissent pas celui qui demande. Il faut premièrement être attaché à Christ. Quand tu es attaché à Christ, c'est-à-dire l'ayant accepté comme le sauveur, dont l'expiation nous a arraché de la culpabilité. Quand tu l'acceptes comme le sauveur, on le molit, on dit mieux nan, le bon Seigneur est sauveur, on est arraché de la culpabilité de maman soumise aux amours. Vous allez qui pécher et améliorer dans les baptême, aux yeux la résurrection, c'est alors qu'il te délivre de la toute puissance du péché et à lui pour régner maintenant comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est alors que tu peux commencer à demander, à demeurer en Christ et à te louer. Sauveur dans le salut à monter, où il y a bien un moment où on se peut mobiliser, aux yeux dans le baptême, bien aimé. Tout ce que nous devons faire pour demeurer ou rester en Christ, c'est seulement à renoncer à notre vie bien-aimée.
peut-être obéir constamment dans nos vies. Ton Seigneur est tout à l'heure, façonné, et modélé notre vie. Si on modélé notre vie, biso on va changer vie dans biso il y a jour, chaque jour. Pour ce qui est dans le moindre acte de ce biso tout ça, il y a un peu de ça. Le malade a modifié biso, il a fait sa biso ma coquille, il a fait sa biso ma case, il a fait sa biso totalement, quand il a fait sa biso ma coquille. Le nous avons dit que le Seigneur est ton poteau de Mérekat Naïsmasia, bien-aimé, c'est en nous nourrissant aussi dans sa parole. Dans sa parole écrite telle que nous le trouvons dans la Bible. Comment un chrétien peut nous se nourrir dans la parole de Dieu? Ceux qui ont dans la Bible, ils ont un mot. Pour dans la Bible, il faut la langue. Pour ceux qui ont la Bible, il faut la langue. Ceux qui ont la langue. Ceux qui ont la langue. Ceux qui ont la langue. Autant la Bible, bien-aimé. Donc, c'est lui autant. Bible, pourquoi? Pour que le Saint-Esprit, en se regardant le Saint-Esprit, pour qu'il plante des mots dans nos cœurs pour te faire vivre. Si nous laissons cette parole entrer à nous et vous permettre de vivre le bon à Yeshu Alingi. Et vous permettre de une simple étude intellectuelle. Oh, vous permettez de l'humain ensemble quand t'as suffisamment et à la enraciner. L'humain dans le Seigneur est à la enraciner. N'a mis 644 dans mon monnaie pour être la parole de Dieu, bien-aimé. Et vous permettez de l'humain tout ça. Tant que vous méditez à vous, ton ballon à vous, ton tapis à vous, ton côté à profondeur, ne vous permettez de l'humain tout vivre grâce aux âmes à l'humain à l'humain. Voilà pourquoi la parole de Dieu, bien-aimé, est l'instrument ou un moyen duquel agit le Saint-Esprit. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit va exprimer, va lui expliquer, Mama Kamoyo, il est à éviter. Il y a beaucoup de hommes, mais la parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit et bien des points de vie. Il est à la paix de l'esprit. Avocat, d'un malheur, de malheur, d'un autre temps, il y a un autre, 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 il y a sauf aux amours dans l'âme, il faut méditer la parole de Dieu. Qu'on médite, qu'on compte dans la profondeur et laisser aussi la parole de Dieu et pénétrer la carte. Celui qui veut exprimer l'œuvre du Saint-Esprit dans une quelconque direction doit se nourrir la parole de Dieu. Dans la direction de ce monde, si tu es inspiré de la parole de Dieu, celui qui veut prier par l'esprit doit longuement méditer la parole de Dieu. Sans on médite, on va prier dans l'esprit. On va longuement méditer la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit dispose des moyens appropriés pour agir. C'est par la parole que le Saint-Esprit forme en nous cette prière et la négligence de la parole rend impossible la prière pour le Saint-Esprit. Ma formation, c'est l'esprit après ça, ma source de la parole. Mais tant qu'on est autant, et on a la difficile pour que le Saint-Esprit abandonne ça, si nous voulons alimenter le feu de notre prière, de ce combustible, c'est la parole de Dieu. Donc, nous allons voir par la parole de Dieu, nous allons voir l'essence de notre prière. Il y a des essences de la prière. Ce qui est à côté, bien aimé, vous avez toujours la difficulté dans la prière. Vous voyez, vous avez toujours la prière. Vous avez toujours la prière. Ils ont la clé pour se guérir, Yoyeba. Clé à la réussite, il y a la prière. Clé à la réussite, il y a la demande. Ils ont l'homme malé. Demeurer en Christ et demeurer dans sa parole. Tant que vous demeurez dans ta parole,
au demeurer dans Christ, au caramina Christ, au woumelilai, au respecter le logo Christ à l'ingi, au respecter le logo Yazoloba, bien aimé, ce que c'est aujourd'hui, des amants dans la mouta. Dans la mouta, il y a quand même le logo Mibalewana, et le logo de ce n'est pas un amant aujourd'hui. Il y a un Jean 15, ce qu'on a dans la vie, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous avez besoin, nous allons faire ça. Bien aimé, tout ce qui est là, nous avons mon avis encore une fois. Abonnez-vous dans le canal Abisso, PNL TV, dans YouTube. Abonnez-vous dans Major Kadé, dans Facebook. Abonnez-vous dans Major 6719, dans TikTok. Biscaline Boula, dans ma prédication Abisso, il y a formation à ma disciple en ligne. Zabamon Abino, tout comme dans Souka, tout comme dans Gimis, tout comme dans Abonne Laza, mais qu'on ne peut pas être là. Docteur Bonio, merci pour la parole à l'élo. Nous allons réciter les appels, nous allons les abonner. Et pas un aïe, nous allons les abonner. 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 Encore une fois, bien aimé, shalom. Même si nous allons les abonner, nous allons les apprendre à l'élo. Nous allons les la réciter à vos sènes. Nous allons les demeurer par un aïe, nous allons les. Et tout ce que nous allons demander, ton joyeux amour, ta communauté spatiale, Charles, tu es la malade.